Eh bien salut à tous les amis, c'est Listifoot. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très 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 courte. Et oui, c'est une vidéo transfert, comme vous l'avez vu au titre, ce n'est pas une rumeur, c'est officiel. Emerson Royal est donc au FC Barcelone. C'est tombé il y a peu de temps, hein, environ 7 heures à l'heure où je vous tourne cette vidéo. C'est officiel sur le compte Twitter du FC Barcelone, c'est publié. Emerson sera bien au FC Barcelone la saison prochaine. Et oui, alors dans l'été 2019, le Barça et le Betis avaient acheté conjointement Emerson Royal du coup à l'Atlético Mineiro pour 6 millions d'euros chacun, soit 12 millions. Récemment appelé en Seleção, hein, le latéral droit brésilien a réalisé 2 saisons pleines en Andalousie et le club Blaugrana a décidé de verser 9 millions d'euros au Betis pour acquérir la totalité des droits du brésilien. En plus de cette somme, hein, les Andalous ont obtenu gratuitement le transfert définitif de Juan Miranda, prêté par le club catalan. Le défenseur de 21 ans a disputé 22 matchs de championnat d'Espagne cette saison. Il a signé pour 3 ans avec le Betis. Donc voilà, on sait que Marseille s'approche aussi de Juan Miranda, mais du coup, bah, c'est terminé, pas de Juan Miranda à Marseille. Donc voilà, je vous l'avais dit que c'était une vidéo assez courte, très 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 courte. Bah voilà, pour vous signaler tout simplement l'officialisation de Emerson au Barça. Et tant qu'on parle avec le Barça, on sait que le FC Barcelone pourrait voir accueillir d'autres joueurs. On parle de Memphis Depay, de Wijnaldum au Barça. Bref, après Sergio Aguero, c'est Emerson pour le FC Barcelone. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo très courte comme je vous l'ai dit. J'espère qu'elle vous a plu. Enfin voilà, vous avez appris des choses, hein, au niveau du montant, tout ça, tout ça. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo de transfert, pour un live d'euro, je sais pas, pour voilà, sûrement pour un live d'euro d'ailleurs. C'était Listifoot, merci à vous, ciao.